Salut à toutes. Alors moi je suis un fou, hein. J'ai terminé hier la vidéo à 3h30 et là il est 7h30 et je suis déjà en route. J'ai décidé ce matin d'aller voir la projection presse de Pirates des Caraïbes 4. Alors c'est très tôt, c'est à 8h30 pour la presse, mais je pouvais pas partir sans au moins tenter une projection presse, quoi. C'est pas possible. Bonjour, merci. C'est l'occasion jamais de se faire prendre en photo. Moi, je suis au balcon, je suis là-haut. S'il vous plaît. Bonjour. Merci bien. Ce bip bip signifie que je suis rentré. Mélissa, t'es une lectrice de Mademoiselle. Oui. Depuis quand? Depuis un an, à peu près. Je te félicite. Merci. tu m'as interpellé sur le Facebook. Ouais, sur Facebook, voilà, je savais que t'étais là, donc je me suis dit, bon allez, pourquoi pas. Donc tu bosses pour la télé officielle du festival? Oui, je bosse pour la télé officielle du festival de Cannes. Belle gosse. Ouais, franchement ça le fait, ouais. Qu'est-ce que tu fais comme étude pour en arriver là? Alors, je fais un BTS audiovisuel au lycée Carnot à Cannes. Donc c'est une formation où on a plusieurs options. On a image, son, montage, exploitation et gestion de production. C'est quoi tes bons souvenirs là, des quelques premiers jours? Surtout le souvenir au Martinez, d'après moi, quand on était au Martinez avec les membres du jury, c'était génial. C'était vraiment bien. On était juste là avec Robert De Niro qui arrive, Jude Law, oh là là, c'était waouh. Parce qu'en fait, t'es sur toutes les interviews pour cadrer? Pas sur toutes, mais... Voilà, sur une majorité, quoi. Enfin, je pense que c'était vraiment un coup de chance quand même pour le Martinez, quoi. C'était vraiment sympa. Donc t'as approché du dos de près, c'est ça? Ouais. Il est beau. Alors, il a beaucoup de cernes. Il a beaucoup de cernes. Mais après, oui. Oui, il est très charmant, ouais. Un beau sourire. Tu m'as raconté que t'as une pote qui a réussi à toucher le Graal. Enfin, ouais, toucher ses fesses, ouais, c'était énorme quand même, ouais. Un joli postérieur, ouais. Merci beaucoup Mélissa, et puis bonne continuation de festival. Merci, merci à toi, et bon courage aussi. Émilie, C'est un grand moment dans notre séjour à Cannes. Versons une petite larme. Nous sommes invités à une soirée, nous avons des passes. Nous avons réussi, ça y est. Ça m'inspire une petite chanson. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Hey, tu peux me prendre avec Samy? Ah oui, si tu veux. Tiens, je fais de la pub pour Lévis. C'est pas Louis de Funès, hein, tout ça, vous vous rappelez la pub, la gueule? Ma série. Hey. Bingo. Bingo. Oh, tac tac badaboum, monsieur Ben Mando, bienvenue à Cannes. Charles Denner. Oh là là. Voilà, merci. Claude Lelouch. Merci Claude Lelouch. Merci, ça m'a chagrin, moi. Les films de taxi, voilà. Yeah, taxi, mais il y a 40 films. Moi aussi, moi aussi. Bon, on arrête le bordel, parce que on voudrait bien manger, ça vous dérange pas. Attendez. Bien, ma chérie. Ah, mais oui, c'est sûr. Je prends un taxi. Bonjour Paula. Salut. Je suis photographe. Je travaille pour 4 magazines brésiliens. Je suis venue faire une publicité pour L'Oréal, d'Insta brésilienne et de ce de Insta brésilienne aussi. Et j'ai fait deux petites séries. Une série street style et une autre plus conceptuelle sur des choses moins communes, disons, des Cannes. J'aime bien faire les backstage, les gens qui prennent des photos des gens, tout ce que les caméras en général elles tentent de ne pas montrer. Bah merci beaucoup. De rien, merci à toi. Antonio Banderas et Mélanie Griffith.
ce jeune homme, eh bien nous allons l'exorciser. Ça va être simple. Nous allons prendre le sang du capital que voici, Coca-Cola. Vous allez vous mettre à genoux, s'il vous plaît. Alors, ce jeune décroissant, eh bien qui prend des valeurs absolument incroyables. Ce jeune homme est anti-nucléaire, ce jeune homme est anti-OGM. Ce jeune homme n'aime pas la pollution. Ce jeune homme mange des produits locaux. Oui, alors je veux bien pardon, mais ça ne suffit pas. Il va falloir mettre en acte votre pardon. Il va falloir ingurgiter. Si. Vous allez goûter, vous allez en baver. Mais ça va faire, au début, ça va faire drôle. Mais après, vous allez rentrer dans la norme. La norme. Si, vous allez consommer avec vos billets que nous avons donné. Vous avons donné 2000 euros. Avec 2000 euros, vous pouvez vous acheter 308 chacal. Allez, travail. Obéis. Consomme. Travail. Allez, tous ensemble. Le fluide, l'énergie. Consomme. Achète. Consomme. Travail. Obéis. Allez. Oui. Et non, décroissant, sort de ce corps. Bravo, c'est magnifique. Merci à ce jeune ex-décroissant, un nouveau consommateur, nouveau riche. Va travailler. La femme objet. Oh là là, la sœur Marie-Hélène. Allez, la femme objet. Allez, page 3, la femme objet. Évidemment. Oh là là, c'est magnifique. Profitez-en parce que contrairement sur les publicités, elles ne sont pas retouchées. Toute l'équipe de Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence qui sortira en salle le 18 mai. Émilie, nous y sommes. Souviens-toi. Enfin, deuxième tentative. Le lieu de toutes les humiliations. Nous sommes revenus sur le lieu de toutes les humiliations. Merci bien. Émilie, c'est un tout petit pas, un pas ridicule pour le fêtard de base de Cannes. Mais c'est un immense pas. Pour nous. Pour les néophytes que nous sommes. Tu veux faire photocall? Regarde. Je peux vous filmer en même temps, ça vous dérange pas? Allons-y. Merci bien. Merci. Émilie, nous faisons partie de tous ces beaux gens. Regarde, ils sont tous beaux. Regarde, on peut boire. On peut parler, on peut courir, il y a des gens qui courent aussi, ça c'est les coulisses, il y a des gens qui travaillent. On danse pas, ou alors pas encore. Hein ? On danse pas, ouais. Pas encore. On peut même faire la sieste. Mais Pénélope, vous êtes sur les marches, vous êtes dans les soirées cannoises, vous êtes partout, mais comment se fait-ce ? Alors déjà j'ai la voix cassée, donc je m'excuse. Je suis invitée à une soirée, donc j'y vais. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est con comme question. Qu'est-ce que tu bois ? C'est hyper étrange, je bois un cocktail avec de la purée de framboise, de la vodka et des feuilles de roquette. Des vraies feuilles de roquette, je croyais que c'était une blague, mais non, il y a des feuilles de salade. Quel est le fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce cocktail ? Tu étais sur... J'ai une voix de merde, j'aimerais m'excuser. Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, dans les salles de projection, il fait très froid. Et donc, comme tout le monde, j'ai chopé la crève, j'ai la voix défoncée. J'ai vu sur ton Twitter que tu postais des photos extrêmement exclusives. Qu'est-ce que tu foutais sur les marches ? Alors, en fait, c'était marrant parce qu'Arte m'a proposé ce soir de faire le photocall. C'est-à-dire faire les journalistes qui appellent les gens pour qu'ils les regardent, genre « Hey, Johnny !» Et donc, j'ai vu à ça, comme je te vois toi, Johnny Depp, Penelope Cruz... De Niro, Jude Law, c'était taré quoi, c'était génial. Petit point mode. Petit point mode. Parce que sur Mademoiselle, voilà, montre-nous ta robe de lumière. L'enfer de la mode, qu'est-ce que tu me demandes ? Montre-nous ta robe de lumière.
Waouh. Ah, et les tongs, bien sûr. Les tongs, André. Wouhou, 35 euros. Non mais cette robe, elle a une histoire. J'étais à San Francisco avec Elise, donc Bobby Freckles. Et j'ai vu cette robe et j'ai trouvé magnifique. Et je lui ai dit, mais ouais, mais à quelle occasion je vais mettre ça, quoi. Et genre, à moitié pour déconner, elle m'a dit, pour monter les marches à Cannes. Elise, complètement voyante. Elise, complètement clairvoyante. Et effectivement, hier, j'ai monté les marches avec cette robe. Et comme bah, je suis pauvre, je la mets tous les soirs. Parce que moi, j'ai pas de sponsor. J'achète mes robes. Voilà. Et bim. Et bim. Et bim les blogueuses mode. Pardon, Émilie, hein, passe caméra, Émilie qui s'est fait habiller ce soir par une marque qu'on ne citera pas. Mais moi je monte pas les marches à Cannes. En fait non, j'ai trouvé, t'as la voix de Mademoiselle Agnès. Mais elle c'est la drogue. Oh, c'est pas ma faute, c'est la maladie. Bon coup, ça suffit. Enfin, j'aimerais valider cette vidéo avant que tu la passes. Tu seras le veto. Enfoiré de chauve. Quelle espèce d'enfoiré de chauve, celui-là. Sexy. Bah non, avec la bière, c'est mieux. Moi, j'aime bien, moi. Là, je suis mademoiselle et je suis bonne. Bon, faudrait verser de la bière dessus. Avec là, la voix. Je suis mademoiselle et je suis bonne. Salut Mathilde. Salut Fabrice. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Tu kiffes Cannes ou pas? Ah bah j'adore. J'adore, c'est les vacances. T'aurais pas une anecdote à me raconter à propos de Javier Bardem? Je ne vois pas qui peut t'avoir rencardé sur Javier. Écoute, c'est un peu ma vie privée, je préfère pas en parler. Écoute, les stars, le festival, la pression, tout ça. Je sais pas, Javier, un soir, un regard, les toilettes du Martinez, où je suis allée trop tard. Donc je l'ai raté, je suis tombée sur les colosses de Johnny, rien à voir. Donc écoute, Javier, si tu m'entends, c'est quand tu veux, j'ai envie de te dire. Tu l'as vraiment raté? Non, je l'ai vraiment raté, ouais. Non, mais on sait vraiment. En fait, le truc, c'est que je ne savais pas. Tu l'avais pas reconnu? Non, mais je savais pas qui c'était. Que Pénélope fait placement produit. Nous sommes avec Kia Lenavo. Salut. Salut. Salut mademoiselle.com. Qu'est-ce que vous foutez à Cannes? Franchement, là, on voulait bosser, ouais. Mais il y a du monde, ça me fait chier. On vous laisse poser sur l'herbe. De la musique, c'est relou. Je l'ai dit, à tous les coups, on va vouloir se poser sur l'herbe, les Arocs vont venir faire une fête. Tu verras. C'est et ça sûr. N'a pas manqué, ça n'a pas. C'est relou, ça. À Cannes, on est venu, on a réalisé notre premier petit film, premier court-métrage avec Navo. C'est vrai. Pénélope, tu l'as vu? Non. En fait, l'anecdote est simple. On était en train de lire mademoiselle.com sur le blog. C'est vrai. C'est sur quoi, sur mademoiselle.com? Tu parles de quoi? C'est sur la mode, l'actualité et tout l'esprit féminin moderne. De 18 à 21 ans? De 18 à 27 ans. 27 ans. Est-ce qu'on est en placement produit? On est bien là. On a fait le quota, c'est bon? Alors non, là, alors une autre actu. Mon actu, c'est que bah, je préparais mon spectacle, ouais, avec Bruno et qu'on le co-écrivait. Et récemment, on a eu l'idée ensemble de monter tous les deux sur scène, voilà, en duo. Ouais. Donc à partir du 15 juin, on va proposer des choses qu'on a jamais fait et qu'on proposera peut-être plus jamais. T'as des millions de lecteurs. Pénélope, elle me dit, c'est si t'as une annonce matrimoniale à faire, c'est maintenant. Ah, c'est vrai. Alors, j'ai pas de statut Facebook en couple ou célibataire, mais j'aimerais bien en avoir un. Voilà. Corporate jusqu'au bout. Je me suis collé un sticker mademoiselle sur le poitrail, sur mon coup de soleil en même temps. Et j'ai tellement peur de l'enlever. Ça me chauffe là, mais je vais avoir très très mal. Je vais devoir vivre avec ce sticker toute ma vie. Oh oui, Émilie. Émilie, je suis fier de toi. Vas-y, mets-toi, garde à vous. Allons, enfants de l'infanterie. Oh, arrêtez votre musique là, ça suffit un petit peu. C'est vrai qu'on a les mêmes.